2, chers amis, l'épisode bonus. Encore une fois, je le redis, même si à chaque fois je sens que ça va me faire chier de le dire, mais n'oubliez pas de liker en début de vidéo, comme ça ce sera fait, vous pouvez profiter de toute l'expérience. Je rappelle que toutes ces vidéos YouTube ne vous coûtent rien, mais que nous, c'est notre vie. Et putain que j'aime mon métier. Alors... Ok. Reste loin, reste loin, Fanta. Déjà, j'ai envie de te demander de rester loin. Là, il y a une herbe verte. Là où je suis, il y a une herbe verte. Bien joué. Super esquive. Derrière toi, t'as une herbe verte. Voilà. Il essaie de protéger sa tête. On vise sa tête ou ses jambes là? Les jambes. Attention aux zombas. Attention aux zombas. Ah non. Bon, il va les... on va lui péter ses jambes ou quoi? Alors attends. Oh le boulet. Attention derrière toi, il y a plein de zombards. Au niveau vie, moi c'est la cata. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai un peu de blanc. Parce que moi je suis full life. J'aimerais que tu t'occupes des zombards à la rigueur. Surtout qu'au bout d'un moment, il va craquer psychologiquement et il y a un zombard qui va te donner des munitions de fou ou un truc. J'ai une patte. C'est genre. Attention, ses jambes sont durcifiées. Ok, je vais essayer de planter le prochain zombie. Ah bah non, ça pas suffi. Si, si, ça suffit, ça suffit. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Il va craquer psychologiquement. Surtout fais vachement gaffe à tes arrières. Dès que tu regardes, tu jettes un. Enfin, dès que tu recherches, jette un œil derrière toi pour. C'est bon, j'ai une de ses jambes, ça devrait aller. Ouais, reste en coin, ça me rassure à la rigueur. C'est moins. Tu peux au moins me couvrir. Un mantos et deux carrés. Donc deux carrés, zéro mantos. Alors, sniper. On va la péter cette. À ton côté. Ah, putain. Il a toujours pas absorbé ce. Non. J'en ai une. Ouais, pourtant on vise. Sniper. Là il va l'absorber là. Ah, il a craqué psychologiquement. Sniper et Magnum pour les gens. Ok. Et la prochaine fois, je transforme en un seul manteau, c'est il faudra que j'attende parce que. Et souviens-toi, la prochaine fois qu'il, hop là, et un autre zombard, ça lui apprendra le respect un peu. On a l'incendiaire, bombe télécommandée. Il y a une bombe télécommandée par terre, c'est normal. Je crois que je l'ai eu là. Oh! Sur ta gauche. Ouais mais attends, j'essaie de viser surtout. Ouais c'est clair, vise-le, je m'en charge. Ah, oh, il y a plus de sniper. Ah. Magnum. Ah, ah, ah. J'en ai une. Ouais, je me démarre pas mal. En fait, se mettre en bord comme ça, ça les fait popper trop fort, trop vite. Trois mantos, c'est plutôt bon. Je
Je reprends. Ok, alors là, je vois une cible. Je vais prendre Reyes, Panda. J'en ai une. Putain, j'arrive là. Essaye juste de pas te faire déglinguer par les zombards. Déglingage de jambes à l'infini. Hop, il fait quoi? Il se durcifie. Il a chopé le zombie. Oula, il faut que je m'éloigne, moi, du coup. Attention, t'as un zombard juste à terre, toi, en fait. Ouais. Eh bien, tu l'as vu. Un autre. Là. Hop, alors, tu le plantes. Et ouais, j'ai. Ça y est. Voilà. Hop, j'attends qu'il apparaisse. À côté de toi. Vers toi, par contre. Alors, la jambe. Allez, vas-y, apparaît, truc. Bien, Bob. Ça, c'est de la cote. Bien. Par contre, quand il aura la tête en bas, Fanta, il va falloir que tu te rushes sur le... Faut que tu rushes sur le piqué. Ah, la vache. Attends, il me faut le zombard d'abord. Fonce, Fanta, fonce, chope-le. Je croyais qu'il fallait que tu plantes le pieu sur... Non, trop tard. Ah non, c'est bon, tu l'as eu. Tu l'as éclaté. Nickel, ouais. Éloigne-toi. Il y a un pieu là, en fait. Il va craquer psychologiquement. Il a craqué psychologiquement. Et c'est le coup de foudre. Excellent. Par le pouvoir de Zeus. C'est comme ça qu'a commencé Fantabob Games. Aïe. Et c'est avec lui que se finit cette série Fantabob Games. Miséricorde. Ah, au moins cette histoire. Ouais. On est qu'au début de notre histoire. Ouais, tout à fait. On en est qu'au tiers. Bon, on se sépare. Ok, on se casse. Plombier. Ah putain, c'est clair. On a décidé d'être un bonheur. C'est pas cohérent. Là par la fin. Hop. On arrive à la fin de cette campagne. Honnêtement, j'espère qu'il sera pris dans le nucléaire blast. Il y a un lance-roquette et une gatling. C'est plutôt bon signe. Non. C'est très mauvais signe. Ah, il s'arrête jamais. Putain, mais il est plus persistant que les impôts. Ah, je prends le Lost Rocket. Socket bitch. Je t'ai pas attendu. Ah, bien joué. Pardon, excuse-moi. C'est quand je l'ai vu lever la patte et il Lost Rocket, je t'ai pas attendu, je suis désolé. Les attaques sont nos amis. Faut les rêver aussi. D'abord, on va avec les bouchables. Retourne sur Cyberstron. Ouais. Ma bite sur ton front. Ultime. Oh. Voilà, il gagne plus là. Je dirais qu'il a fait une percée dans le métier. Yeah. Tintintintin. Pardon. Je suis toujours impressionné par la quantité de conneries qu'il peut dire. Ah la vache. Ah, le logo d'Umbrella, comme c'est... Comme c'est romantique. C'est ça. Ouais, c'était classe. Et il a chu. Comme la pluie chute sur le parapluie. Chou. Ça, c'est pour ma sœur. Bitch. Allez, viens, on va à l'hélico. Oui, c'est peut-être une idée, oui. Avant que le nucléaire blast arrive. Je peux peut-être lâcher ce lance-roquette. Bon. Non, je peux le mettre dans ta poche. Ouais, c'est ça. Personnellement, je m'attends encore à un twist.
Tant que j'aurai pas vu de champignons nucléaires, je serai pas safe. Bon, à mon avis, il faut aussi qu'il prépare un set. Ah, mais... Le phare à paupières d'Ada. C'est Ada. Oui, j'aurais bien besoin d'un kit de maquillage. Oh, est-ce que c'est le même téléphone que dans les Tortues Ninja? Ah bah non. Je t'ai dit, c'était un phare à paupières. C'est juste de la... Oh... Les photos porno. Solution virus qui contient le truc de Jack. Mais non, les photos porno d'Ada. Vite, vite, vite. Ah, la preuve de ton innocence. Mais c'est... La preuve la mienne. Que Simon, c'est coupable. Ce qui prouvera aussi ton innocence. Oh. Notre innocence. C'est pas la peine. Elena. Ah. Bonne nouvelle. Allô. Nous savons maintenant comment vaincre le virus. Waouh! Ouais! On se met en route. Comme les dernières fois, c'est ça? À grands coups de neutrons dans ta face! On a découvert comment le virus y meurt. Je crois que les réactions nucléaires ou une explosion solaire, ça tue assez les ça, microbes. Ça, on saura avec la campagne de Jack. Ouais, il faut faire bouillir les virus au bain-marie en fait. Voilà! C'est aussi simple que ça. Allez, flap, flap, flap! 500 effervescents et hop. Let's go, Kiwi-copter! Kiwi-copter, c'est l'hélicoptère de tous les kiwis de la Terre. Kiwi-copter, pardon. Là, t'as un dessin animé à faire. C'est la mienne. Regarde la route. Ah, eh ben putain, on sera battu contre Simmons, Pitbull Simmons, Mutant Simmons, Godzilla Simmons et Mothra Simmons. Avec Scorpion Simmons au milieu. Wouh! C'est la fin! Yes! Fuck la police! Oh la vache! Bon, Fanta, tes impressions sur le jeu jusqu'à maintenant? C'est un épisode spécial qui est assez long. Moi, j'en suis très content. Ouais, bah putain. Bien ouais, c'était vraiment sympa. Autant il y a 2-3 petites failles scénaristiques de série B, genre la grille qu'on peut pas manquer, ou le passage dans les catacombes, qui fait absolument aucun sens, tu sais. Mais c'est classique dans les Resident Evil de nous faire passer par des endroits qui sont liés, mais qui n'ont absolument aucun sens entre eux, tu sais. On se souviendra tous dans Resident Evil 5 du passage où on passe dans, tu sais, l'ancienne cité Maya en pleine Afrique, pour ensuite finir dans le laboratoire d'Umbrella, tu sais. Genre, on n'aurait pas pu aller par la porte d'entrée ou quelque chose, tu sais. Grand n'importe quoi. Enfin bref. Aussi des boss, les boss ils sont vraiment réussis. Ouais. Mais bon. Ah, c'était génial. Les boss c'était hallucinant, c'était que du plaisir. Ils étaient, putain, pas trop longs, mais la vache, qu'est-ce qu'ils nous mettent dans la gueule, quoi. C'est la violence. Et on joue en normal, hein. Ce qu'on s'est bouffé. Allez, j'essaie d'appuyer sur start pour passer ça. On peut et pas. Et puis on enchaînera dans le prochain épisode, donc la prochaine session, une des deux autres ou trois autres campagnes. C'est ça, c'est ça. Et pour l'occasion, je demanderai à Ray de faire un autre artwork. Ça, moi, on... Oh, si elle veut et si elle peut. Ah non, mais je lui demanderai si elle veut bien sûr. Mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est un autre artwork qui mettrait en scène le... Oh, puis je te vois trop bien déchiné en Shirley. Ah ouais. Non. Tu fais l'affiche, chacun notre tour. C'est ça, après Monsieur Propre, Madame Propre, tu sais. Oh, misère. Ah ouais, c'est cool. Et bisous à tous les amis, un petit j'aime ça fait toujours plaisir, partager sur Facebook, hein, ça aide aussi. Et puis à très bientôt pour une prochaine session de Resident Evil. Et nous on va mettre les points et puis on enchaînera sur la prochaine session. Sans aucun problème, cela dit Fanta, tu leur as fait un gros bisou, mais moi je ne dis c'est juste une ellipse. Je vous retrouve dans 30 secondes chers amis, dès que les crédits ont défilé, vous aurez le droit à la petite cinématique bonus qu'il y a toujours à la fin. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. À la prochaine session et bisous à tous. Chers amis, donc je viens d'apprendre que Fanta avait la possibilité d'appuyer sur Select pour faire passer et nous permettre de passer cette cinématique qui dure déjà depuis un bon quart d'heure, hein, donc c'est... Merci Fanta. Allez, monsieur propre, tu me fais clean. Vas-y, clean-moi ça. J'appuie, on espère qu'il y aura un petit bout de cinématique. C'est ça, on espère. Ta femme te le dit souvent. Pardon. Ah ! Chargement. Ah. À mon avis, ça va être menu. Hein. Je voulais s'apprécier.
que je prenne mes responsabilités. J'achète un chien. T'es trop con. Merci. Je suis prête. Et c'est l'heure de la crêperie. Autour de toi. Quoi ? Mais j'ai rendu l'attentat possible. Suicide-toi. La commission d'enquête a étudié toutes les preuves, et elle n'a pas l'intention de vous condamner pour le crime de Simmons. Elle a aussi choisi de ne pas révéler ses découvertes au public. Mais... Parce que ça a tellement bien marché la première fois. On aurait fait pareil. Il y a vice de procédure. On va rejoindre l'équipe. Ton avocat était alcoolique. Léon. Ah. C'est parce que je suis moche, c'est ça? Tu lui donneras quand tu la verras. Oh. J'ai intention de lui donner autre chose. Les femmes. Ah, mais Léon, c'est un cow-boy ce Léon. Mais c'est un cow-boy à la Woody de Toy Story, mais tu vois, lui c'est pas dans sa botte, c'est « J'ai un serpent dans mon slip !» Enfin voilà, quand tu lui tires la corde. J'ai une girafe. Ouais. Pour le coup. J'ai une girafe dans mon slip. Ça fait plaisir. Ah, that score qui fait plaisir. Fuck yeah. Platine. T'as vu, j'ai fait plus de précision pour une t'es fois. T'es platine ou argent? Ça doit être argent. Voilà. A rang A, rang B, ouais, c'est pas grave. Mais c'est valide quand même. Merci à tous en tout cas. Je regarde juste un petit peu les trucs. Envoyez Derek en enfer. Et surtout, va en enfer. C'était la gratuité. Oh la vache, c'était gratuit. Allez, start pour quitter. Regardons l'accumulation de points absolument obscène qu'on a eu, Fanta. J'espère que c'est beaucoup. Alors, il faut savoir que j'ai eu plus de points de base. Parce qu'il faut savoir que voilà, Minnie Lennon a joué à Resident Evil pendant que je regardais pas. Elle a utilisé ma sauvegarde. Elle a fait la campagne de Jake. Moi, je l'ai pas vu, j'ai pas été spoilé. Et on n'a pas le droit d'attribuer. On n'a pas le droit d'attribuer. Ok, fuck la police, c'est pas grave. Merci en tout cas. Gros bisous à tous et à tout de suite donc. Enfin, pour ceux qui enchaînent et pour qui ils ne regardent pas la vidéo, sinon si vous regardez la vidéo le jour de la sortie, vous êtes quaqué. À tout de suite donc pour la campagne de Jake Muller. C'est tellement épique. Allez, salut tout le monde. Bisous, Fantin.